Ce qui est cool quand il fait beau, c'est que tu peux te poser dans un parc, tu vois, jongler tranquille. Sauf quand il y a ce mec relou qui vient t'aborder pour te dire un truc du genre « Ah ouais, génial, t'as fait l'école du cirque, hein ?» Jongler dans un parc. Oh là 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 là, non mais c'est quoi ce titre? C'est qu'en fait je pensais que... Non mais je pensais que... Non mais c'est pourri, non. C'est pourri. Et l'autre histoire. Ah plus. Oui mais là c'est parce que... La honte. Bon. Alors non, c'est pas parce qu'on jongle qu'on a fait l'école du cirque. Peut-être qu'à une époque on envoyait qu'au cirque du jonglage, mais maintenant on en fait même en EPS. On en fait même sur la plage, hein. Avec Diablo. Après t'as le type qui fait semblant de s'intéresser et qui est juste jaloux. Ah j'ai un pote qui fait ça, 7 balles. Cool. Et puis évidemment, t'as le super combo. Ah ouais, j'ai un pote, il fait l'école du cirque. Ouais, il jongle à 7 balles. Ou 17 balles, enfin je sais plus, un truc. Toi, ce que tu fais, c'est de la merde en gros, quoi. J'avais envie de me défouler sur quelqu'un, voilà, c'est tombé sur toi. Voilà. Non mais vas-y, continue, hein. Ça me dérange pas. Il est où ton pote, là? Hein, il est où? Hein? Ah, tu fais moins le malin, là. Après, t'as l'observateur. Personnellement, m'entraîner en étant observé, c'est comme pour faire caca. Je bloque. Figure de jonglerie. Bon, mais honnêtement, le mec, s'il squatte, c'est peut-être parce qu'il veut jongler avec toi, tout simplement. Et ah. Après, t'as la version, on va dire, plus réaliste, mais toujours aussi relou. Ah, ça fait longtemps que tu jongles. Ah, c'est fou ça, depuis tout petit, j'ai toujours voulu jongler. C'est parce que je regardais le plus grand cabaret du monde. Hein, tu devrais aller chez Sébastien. Quand t'es allé chez Sébastien, après, t'es tranquille, hein. Ah ouais, ouais. Évidemment, tout ça, c'est sans oublier le grand classique. Grand classique. Ah, tu crois que tu pourrais m'apprendre à jongler? Bah, c'est-à-dire que ça demande pas mal d'entraînement et enfin voilà, c'est un peu long, quoi. Ça tombe bien, j'ai tout mon temps aujourd'hui. J'ai pas d'amis. Ah, de la famille peut-être? Tous morts. Non mais c'est pas que j'ai pas envie, mais sur internet, il y a déjà des choses très bien pour apprendre. Alors c'est simple, tu lances et tu lances. Les deux mains lancent. Comme ça? Oui, c'est à peu près ça, ouais. C'est pas mal. En vrai, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Hein? Ou alors il se fout de ta gueule, ce qui n'est pas impossible. Dans la dimension réelle, ça se passe plutôt comme ça. Alors c'est simple, tu lances et tu lances. Ah ouais. Ok, facile. C'est bon, je l'ai. Wouh. Non, ça s'appelle passer la balle dans une main et la lancer toujours avec la même main. Voilà. Alors s'il vous plaît, arrêtez de venir nous voir en nous disant oui, ben moi aussi je sais jongler à deux balles. Aïe, 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 aïe. Non mais qu'est-ce que j'ai fait? Non mais je suis énervé maintenant. Je crois que je préfère encore les enfants. C'est moins agaçant. Ouais, enfin, je sais pas. Parce qu'il faut savoir que ça, c'est juste la fin de l'atelier gratos que tu t'es tapé tout l'après-midi, hein, au lieu de t'entraîner. Et pendant ce temps, 10 mètres plus loin... Regarde, ton petit, tu lui mets de la poule, tu lui mets de la poule. Mais ils sont où, les gosses? Ah, oh, mais ils sont avec le jongleur, là-bas. Ah, ah, non, mais... Vous avez de la chance que chez les jongleurs, il n'y a que de gentilles personnes.
Attention. Affirmation totalement injustifiée. Nye. Bon, mais les parents, vous pourriez faire un petit geste pour cette bonne action, hein, ce don de soi, le don du jongleur. Mon enfant n'a jamais été aussi heureux et éveillé de toute sa vie. Hein. Ce que vous faites est formidable. Tenez. Bon, et les radins, donnez-nous au moins un goûter. Ce que vous faites est formidable. Tenez. T'en veux ? En vrai, tu peux quand même trouver une utilité aux enfants qui traînent autour de toi. Oups. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner en cliquant juste sur le diabolo là. Hein, les jongleries de plage. Eh oh ! Eh oh ! Voilà. Tu peux t'abonner. Il y aura d'autres vidéos. Peut-être. Ciao. Ciao. À la prochaine. Tu me fais de l'ombre, diabolo. Je t'emmerde.